Alors, disons que nous avons l'équation 7x est égal à 14. Avant même de commencer à essayer de résoudre cette équation, je voudrais vraiment comprendre ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça signifie cette écriture. Je pourrais l'écrire 7 fois x, je vais reprendre le même code couleur pour que ce soit bien clair. 7 fois x est égal à 14. Et là, immédiatement, en utilisant la table des 7, tu peux essayer de résoudre ça en calcul mental. 7 fois 1, 7 fois 2, 7 fois 2 égale 14. Et donc, assez rapidement, on peut identifier x ici, ça sera égal à 2. Mais plus ces équations vont devenir compliquées, moins ce sera évident de le faire en calcul mental. Donc, ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est une méthode systématique pour résoudre ces équations. Mais encore plus important, on va surtout s'atteler à comprendre ce que ça signifie. Ici, on écrit 7x, on omet le signe multiplication, c'est une écriture raccourcie utilisée en algèbre, parce que si j'essaie d'écrire 7 fois x égale 14, si mon x ou si mon signe multiplication sont un peu trop similaires, tout de suite c'est incompréhensible. On dirait 7xx ou 7 fois fois. Donc l'écriture algébrique, quand un nombre comme ça est à côté d'une variable, surtout quand c'est la variable x, on n'écrit pas le signe de multiplication. Ça peut arriver de rencontrer l'écriture 7.x, mais qui est vraiment plus rare. L'écriture commune en algèbre, ça sera 7x. Ok, maintenant, pour pouvoir commencer à manipuler ces équations, je veux vraiment être sûr que tu comprends ce qu'elles représentent. Et donc, on va la représenter de manière visuelle pour que ce soit plus concret. Ici, 7x, 7 fois x. Littéralement, c'est x ajouté à lui-même 7 fois. C'est la définition d'une multiplication. 7 fois x, c'est x plus x 7 fois en fait. 3, 4, 5, 6 et 7x. J'ai bien ici 7x qui sont équivalents à ce côté-ci est égal à 14. Alors, je vais utiliser un objet ici pour représenter 14 fois. Objet de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. J'ai ici 7x est égal à 14 de mes objets. C'est une écriture équivalente à celle-ci. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on résout une équation de ce type? On a un coefficient fois une variable. Hein, quand on a un nombre fois l'inconnu, c'est coefficient fois variable. On commence par diviser par le coefficient. Et puisque je fais une division par 7 de ce côté-ci, attention, j'effectue la même à droite pour conserver l'égalité. Et 7x divisé par 7, les 7 s'annulent, il me reste x. De ce côté-ci, 14 divisé par 7 est égal à 2. On a 7, on a x est égal à 2, solution de notre équation. Sur cette représentation visuelle, divisé par 7, ça va revenir à couper en 7 parts. Ici, 7x divisé par 7, c'est 7 parts égale. Et j'applique la même opération sur la droite. Je divise aussi en 7 parts mes 14 objets. J'ai ici 7x divisé par 7 et 14 divisé par 7. Chaque morceau que j'ai créé ici est équivalent à un morceau de ce côté-là. On a donc maintenant pour cette écriture, x est égal, alors ici comme on a fait des objets, est égal à 2, mais donc 2 de ces objets. Et voilà, on retrouve avec cette représentation de l'équation le même résultat que celui auquel on était arrivé avec cette représentation-ci. Donc maintenant que tu as bien visualisé qu'est-ce que signifiait cet x et pourquoi il est important de diviser par le coefficient de chaque côté de l'égalité, on va voir d'autres exemples. Donc je fais un petit peu de place et je prends cette fois-ci l'équation 3x est égal à 15. Alors ici aussi, on peut utiliser la table des 3 et essayer de résoudre ça 3 fois 1, 3 fois 2, 3 fois 3, etc. Mais on va utiliser notre méthode systématique. Et donc ici, 3 fois x égale à 15. Si je veux me retrouver avec juste x du côté gauche, je vais diviser par 3. Et évidemment, du côté droit aussi. Et qu'est-ce qui se passe? Les 3 s'annulent, me laissant juste x est égal à 15 divisé par 3, ça fait 5.
Donc x est égal à 5, c'est la solution de notre équation. On aurait pu utiliser une écriture un petit peu différente, mais tout à fait équivalente. Pour écrire divisé par 3, je peux aussi multiplier par un tiers. Et donc si je reprends ici 3x est égal à 15, et que je multiplie par un tiers, multiplié par un tiers des deux côtés, j'ai les 3 qui s'annulent, me laissant avec 1x, et de ce côté-ci, 15 divisé par 3, ça fait toujours 5, et 1x, c'est bien l'équivalent de juste x est égal à 5. J'arrive au même résultat. Alors attention, c'est pas toujours x la variable dans les équations. On peut utiliser par exemple y, donc là je vais faire 2y plus 4y égale 18. Là, c'est tout de suite plus compliqué de faire ça mentalement. 2 fois quelque chose plus 4 fois quelque chose est égal à 18. 2 fois 1 plus 4 fois 1. Donc là, on a besoin de représenter ça différemment. Mais qu'est-ce que ça veut dire 2y plus 4y? Alors, si on l'écrit autrement, 2y, on a ici y, plus 4y, donc plus y, plus y, plus y, plus y, voilà nos 4y, et tout ça, c'est égal à 18. Et donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a y, plus y, plus y, plus y, plus y, plus y, 6 fois, ça c'est 6y. Et c'est parfaitement logique que si on avait des pommes, 2 pommes plus 4 pommes, on a 6 pommes. Donc avec les y, c'est pareil, 2y plus 4y, on a 6y. Donc 6y est égal à 18. Là, on retrouve une équation de la forme dont on a l'habitude. Et on va pouvoir se débarrasser du 6, tout simplement, en divisant par 6. Et là, on a tout de suite y est égal à 18 divisé par 6 est égal à 3. Y est égal à 3, c'est la solution de notre équation. Et ce qui est super, c'est qu'on va pouvoir la vérifier, cette solution, en remplaçant y par 3 dans l'équation de départ. Et donc, 2 fois 3 plus 4 fois 3 égale, ça fait 6, ça fait 4 fois 3, 12. 6 plus 12 égale 18. Et c'est juste. Donc on est arrivé à une solution correcte.